Salut tout le monde, c'est Damien, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 2 de la série Il faut se cultiver. Aujourd'hui ça va être une tentative d'upload sur deux chaînes communautaires qui sont Real Geek TV et YouTube Multigaming, deux chaînes Multigaming que je remercie évidemment énormément si la vidéo est acceptée. Je vais quand même préciser le concept de la série Il faut se cultiver pour ces chaînes communautaires et pour ses viewers. Alors, en fait, à chaque épisode, je vous propose de parler d'un sujet de culture générale, qu'il soit fun ou pas, pour essayer de le rendre le plus divertissant possible, puisque sur la chaîne Zoposatrilaxis, qui est une chaîne que je tiens avec un autre YouTuber, qui s'appelle Lightning Power pour son pseudo et Loïc de son vrai prénom, moi c'est Damien, enchanté. Donc voilà, je propose un sujet de culture générale, je vous le propose pour vous divertir. Et on voit si ça plaît. Le premier épisode, le seul épisode que j'ai fait actuellement, a plutôt bien marché par rapport à nos autres vidéos. Elle est déjà en un mois la deuxième vidéo la plus vue sur la chaîne. Donc c'est assez énorme pour ce qu'on fait d'habitude au niveau des vues. Et je remercie énormément tous les viewers de ces chaînes communautaires si la vidéo est acceptée. Et de notre chaîne si jamais ils mettent un pouce vert ou viennent directement voir la petite chaîne. Donc le premier épisode, ça a été sur les instruments de torture, sujet pas trop fun en apparence, que j'ai essayé de rendre le plus fun possible, mais c'est surtout pour avoir un fond, pour pouvoir peut-être engager un débat dans les commentaires, ce qui n'a pas eu lieu, mais bon, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, on va aborder un sujet beaucoup moins lourd, on va dire, puisque je vais vous parler des cartes à jouer. Alors pourquoi avoir mis au fond un jeu qui est A Mighty Quest for Epic Loot, qui est un jeu en open beta gratuit sur Steam actuellement en tout cas, parce que en fait c'est autant un peu des chevaliers, et il faut savoir que les cartes représentent des personnages célèbres de l'histoire de France, de la Bible et de la mythologie, et généralement quand même des trucs qui font référence à l'époque médiévale. En effet, on va commencer par les rois. Alors le roi de cœur, ça représente Charlemagne. Alors tout le monde connaît, donc c'est un conquérant exceptionnel qui donc a vécu au 8e siècle, qui a beaucoup agrandi le royaume de France. Ça a été un des premiers empereurs, je crois le premier empereur de France d'ailleurs. Et donc à la fin il a dû se partager son royaume avec ses trois petits-fils à l'issue du traité de Verdun, voilà pour le petit côté historique. Et par contre il faut quand même préciser que ce n'est pas lui qui a inventé l'école, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais voilà pour le rappeler, ce n'est pas vraiment Charlemagne qui a inventé l'école. Le roi de carreau maintenant, c'est Jules César. Alors, je sais bien que sur les cartes, on ne le voit pas trop, hein, je mettrai les images, mais c'est bien Jules César qui est représenté normalement. Donc, bien entendu, tout le monde le sait, c'est un homme qui a été exceptionnel. Ça a été le descendant directement de Rémus et de Romulus. C'est un homme politique romain qui est parvenu par son intelligence politique à s'accaparer du pouvoir. Par contre, il faut quand même préciser qu'il n'a jamais, jamais été empereur. Il a été imperior. Vous allez voir sur Wikipédia, il a été imperior, voire dictateur aussi. Mais il n'a jamais été empereur, comme le montre donc la BD Astérix et Obélix, qui est bien sûr une sorte de côté humoristique, mais qui ne représente pas vraiment la réalité de l'époque. Et c'est son neveu Octave qui deviendra, après la mort de Jules César, le premier empereur, ou en tout cas un des empereurs. Maintenant passons au roi de pique. Alors, le roi de pique, c'est David. Alors c'est un personnage légendaire qui voit ses exploits racontés dans la Bible. En fait, c'est un jeune berger qui a été propulsé sur le devant de la scène en combattant Goliath, le guerrier le plus fort du clan des Philistins, ennemi héréditaire des tribus d'Israël. Alors, comme on le connaît, le mythe, donc il a battu donc ce personnage, hein, il a battu Goliath avec une fronde, avec un petit caillou, et donc après il est devenu un des rois les plus respectés du peuple juif, et c'est son fils Salomon qui lui succède et qui fera construire sur le fameux temple de Jérusalem, appelé communément Temple de Salomon. Alors excusez-moi de cette petite coupure, mais j'avais envie de tousser, alors bah j'ai arrêté l'enregistrement bien entendu, j'espère que ça se sentira pas trop au montage, j'ai essayé de continuer de la manière la plus normale possible. On était au roi de trèfle. Alors le roi de trèfle en fait il représente Alexandre le Grand. Alors autant dire que c'est un des plus grands chefs d'état que la Terre ait jamais porté, puisqu'il a quand même réussi à bâtir un empire qui allait de Méditerranée à l'Inde, en battant d'ailleurs, en écrasant l'armée perse qui était menée à l'époque par Darius III. Et donc il a vécu il y a bien longtemps, même avant Jésus-Christ, hein, puisque il a vécu entre moins 356 et moins 323, donc en très peu de temps, hein, quand même il n'a pas vécu très longtemps, et il a réussi à bâtir quand même un très grand empire. Alors maintenant on va passer aux dames et aux valets. Alors comme je me rends compte j'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer de moins passer par les détails.
Donc alors la Dame de Cœur, alors on pourrait se dire que ça représente un personnage qui est symbole du glamour, de la grâce et de la beauté, mais en fait c'est pas vraiment ça, même pas du tout, puisqu'en fait ça représente Judith. Alors Judith, dans la Bible, c'est elle qui, lors du siège de sa ville par les Babyloniens, séduit le chef ennemi, l'enivre et lui coupe la tête de sang-froid dans son sommeil. Donc bien entendu, on fait beaucoup plus glamour comme personnage, comme le dit le site où je suis, et le lien bien entendu sera dans la description. Donc passons à la Dame de Carreau. Alors Dame de Carreau, c'est Rachel qui est aussi un personnage biblique. Alors elle n'a pas vraiment fait d'exploits hein, comme Judith, mais elle est surtout connue pour être donc la mère de Joseph, qui a été un homme qui a été laissé pour mort par ses frères dans le désert et qui sera ramassé par des marchands égyptiens et deviendra le bras droit du pharaon. Et ainsi s'en suivra bien d'autres de péripéties. D'ailleurs, Moïse intervient après, donc dans la légende. Alors passons maintenant à la Dame de Pique. Alors, le nom de la Dame de Pique, c'est Pallas. Alors, en fait, dans la mythologie et dans la Rome antique, il y a beaucoup de Pallas, beaucoup de, ouais, de personnages qui auraient ce nom. Mais il est généralement admis qu'il s'agit d'Athéna, en fait, tout simplement. Parce que, voilà, tout simplement, donc ça représenterait Athéna, la Dame de Pique représenterait donc Athéna, Athéna la sage, qui était, on le rappelle, donc la déesse grecque de la guerre et de la sagesse, et son équivalent dans la mythologie romaine, c'était Minerve. On va pas trop s'attarder là-dessus, hein. Passons à présent à la Dame de Trèfle. Alors, Dame de Trèfle, c'est Argine, son nom. Et si vous ne connaissez pas du tout ce nom, c'est normal parce que c'est un personnage qui n'a jamais existé, en fait. Il est communément admis qu'il s'agit en réalité de l'anagramme de Regina. Je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, hein, donc personnellement j'irai peut-être voir après. Mais là en fait, c'est pas un vrai personnage donc rien à dire là-dessus. Passons à présent au valet, et donc c'est le dernier point que je vais aborder simplement, hein. Donc le valet de cœur, c'est Lahir, de son vrai nom Étienne de Vignolles. C'est un personnage très peu connu de l'histoire de France, c'est un fidèle compagnon de Jeanne d'Arc, qui tentera même d'aller délivrer cette personne lorsqu'elle tombe entre les mains des Anglais. Sauf que manque de bol, il se fait capturer à son tour. Mais l'histoire se termine bien pour lui parce qu'il parvient à s'évader de prison dès l'année suivante. Et puis voilà, c'est un petit peu toute son histoire. Après, il y a encore d'autres péripéties, mais comme j'ai dit, je vais pas trop m'attarder pour que voilà, je puisse terminer rapidement ce commentaire. Le valet de Carreau, c'est Hector, le fils du roi Priam, qui s'est illustré durant la mythique guerre de Troie. Le valet de pique, c'est Ogier. Vous le connaissez certainement pas, mais il est beaucoup plus connu au Danemark qu'en France parce que c'est un chevalier danois légendaire. Voilà, qui serait longtemps opposé au désir de conquête de Charlemagne. Et enfin, pour finir, par un des peut-être des plus intéressants, le valet de trèfle, c'est Lancelot du Lac, qui est donc un chevalier de la Table Ronde, qui a été popularisé par le Chrétien de Troyes au 12e siècle. C'est un très fidèle du roi Arthur, qui est tombé amoureux fou de la reine Guenièvre. Et voilà, simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à venir vers la chaîne si cette vidéo se passe sur la chaîne communautaire. Je le remercie encore une fois énormément. C'était Damien. Salut tout le monde.